Bonjour à toutes les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe très bien pour vous, aussi bien sur la globale que sur la version japonaise. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à la catégorie lien maître-élève qui vient d'arriver sur la version globale, enfin qui vient d'arriver, était déjà disponible, mais là on a un vrai leader, en la présence de Mireille Gohan, intelligence. Et donc là je vais tester cette composition en saga, en Battle Road Saga du Futur. J'ai pas réussi à trouver un Mireille Gohan intelligent, son ami leader. C'est vrai qu'il a pas trop la cote sur la version japonaise, parce que bon, en même temps il date un petit peu ce Dokkan Fest. Mais bon, on en a un. C'est aussi l'occasion de tester le Trunks, le meilleur Trunks du jeu. Enfin, hors Dokkan Fest et hors LR. Je pense qu'il est très très solide. C'est dommage, c'est pas le Trunks avec cheveux longs. Même si je me pose la question, mais est-ce que ses cheveux sont pas longs en vrai là? Ah non, il a pas la queue de cheval, c'est vrai, il a pas la queue de cheval. J'ai jamais testé. Du coup, on va le tester, les amis. Donc, rotation 1, Mirai Gohan avec Mirai Trunks. Deuxième rotation. Ah non, Mirai Gohan plus Mirai Trunksu. Multiforme. Deuxième rotation, Trunks Multiforme plus Trunks. Armure de Vegeta. Bon, ça fait beaucoup de tech, comme tu peux le voir. Mais bon, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Alors, le Trunks, en fait, c'est un leader alternatif à 120% pour le lien maître-élève, 120% avec plus 3. Il augmente grandement son attaque et sa défense pendant un tour, il inflige des dégâts colossaux. Attaque avec plus 100%, qui plus 3, plus attaque avec plus 110% quand il y a un allié qui s'appelle Gohan Futur dans la team. Ici, c'est le cas. Plus qui plus 6 et réalise un coup critique lorsqu'il y a un druide en face, enfin, cyborg en face. Plus encore attaque plus 110% quand il y a un ennemi qui s'appelle Cell. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de plus. Bon, ici, ça tombe bien, il y a du cyborg. Alors, Gohasui me donne un boost de défense, donc ça, c'est cool. Et Mireille Gohan, bon, je vais vous dire son passif. Pour les... Pardon. Désolé pour la petite toux. On va focus qui. Il faut 3. J'aimerais bien pouvoir bloquer la spear en fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être faire ça. Tant pis pour Trunks. Bloquons l'aspect de celui-ci. Bon, item. Hein. Item pour commencer. C'est Ronatan. Désolé Trunksu, mais j'ai dû faire un choix drastique. Alors, Gohan, enfin Mireille Gohan Intelligence, oula. Leader, lien maître élève, ou métis qui plus 3 et attaque SF. PV plus attaque plus 170%. Les défenses plus 130%, augmente grandement sa défense pendant un tour, dégâts immenses, donc il gagne 50% de def. Donc là il devient plus solide. Ça c'est cool. J'ai esquivé. Attaque à plus 100%, réduit les dégâts subis de 58% quand les PV sont sous la barre des 58%. Pour tous les alliés de la catégorie lien maître élève, gagnent qui plus 1. Enfin, non, les alliés de la catégorie lien maître élève gagnent qui plus 1 et attaque à plus 30%. Et se transforme au bout du 4ème tour, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, full tech la rotation, génial. Ah, donc là, ça peut être intéressant. Il a combien de stats lui? 75 000. Ouh, l'autre il a 100%. Bon, je partirai pas en spé. On va faire ça. Vu qu'il a 100% lui, on va se mettre bien. Bim. Et on va faire bim. Une fois transformé, évidemment, là il devient plus intéressant. Il a de la réduction des dégâts qui est intégrée. 1 200 000 sans doublon. Oh là là. Pas mal ce petit Trunks. Pas de doublon. Donc une fois transformé, il a 100% de boost d'attaque, réduction de dégâts de 58%. Et qui plus 1, attaque à plus 100% par unité lien maître élève. C'est pour ça que j'ai joué full lien maître élève. Du coup je gagne qui plus 3 et 3 fois 30%. Ça devient extrêmement intéressant. Et lance une attaque supplémentaire lorsqu'il y a des ennemis qui rentrent dans la catégorie cyborg. Voilà.
Là, je fais le Battle Road Saga du futur pour les personnes qui demandent. Alors. Putain, il reste un PV, t'es sérieux? Je suis pas sous la barre des 58%. C'est chiant ça. Bon, tant pis. J'avoue que si je mange l'aspect, je vais voir flou. Bon, je cascade. Cascade très dangereuse. Qui va peut-être me coûter la game. Je suis mort. Est-ce que le passif s'active tout de suite durant le combat? Ou est-ce qu'il faut ça en début de tour? Je crois que je vais peut-être... Peut-être. Non. Ça s'active durant le tour, les amis. Dès lors que les PV sont sous la barre des 58%, le passif s'active. Eh oui, ma gueule. Hein, qui l'aurait cru? Pas moi. C'est pas comme Golden, en fait. Gogeta critique ou attaque sup? Je crois qu'attaque sup, c'est meilleur. On parle bien de Gogeta bleu, hein. Ah, le petit miel chaud, il fait plaisir à la famille. Alors, évidemment, ici, nous sommes pas fous. Il est peut-être temps... Ah, quoique, attendez. Non, Trunks va se faire... Trunks va se faire soulever, donc on va soigner. Bon, Trunks, découpeur de saucisson, je dégage la rotation. En fait, là, il fallait que je réunisse une team qui entre à la fois dans Saga du Futur et dans Lien Maître Élève pour que ça se passe bien, en fait. Pour que Miregoan soit constamment buffé de Ki plus 3 et attaque et def plus 30% x 3. Voilà la raison, les amis. Bon, 50% de chance de crit. Oui, non, non, oui. Ah, beau gosse. Ça, c'est normal. Ouh là 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 là, ça manque de muscles, tout ça. Oh, Mirai, oh le Mirai. Très belle spé, les amis. Donc là, j'ai la réduction des dégâts. Et j'ai bien attaqué plus 100%. X 3. Oh, active skill ou pas active skill? Pour la France. Pour la France, les amis. Comme le lien boss. C'est, ah oui, c'est vrai. The Fresh Fire, tu as raison. Il parle de la réduction des dégâts de Miregoan qui peut s'activer en plein combat. C'est pour ça que c'est très bon, en fait. Cette vidéo, en fait, est censée vous donner envie d'invoquer. Est-ce que je vais réussir? Vous le saurez dans quelques instants. Ça se trouve, je vais manger un KO. Cet aspect est magnifique. Et sublime, mon miel citron. 2 millions de valeur d'attaque, 100 doublons. Voilà, c'est pour ça que je voulais jouer full lien maître élève. 100% plus 3 fois 30%, ça devient intéressant. Et donc, en plus, il lance une attaque supplémentaire face à un druide, enfin face à un cyborg. Et j'ai oublié de préciser qu'il stack l'attaque à l'infini. Il est bon. Franchement. En fait, il y a trop de brosques. Enfin, non. Parmi les TUR, je pense que je le mettrai dans le top 10. Voilà, dans les 10 meilleurs TUR du jeu. Oh, je pense qu'il a sa place, regarde. I think. Ah, on affronte Asel. Du coup, lui, le Trunksu armure. Donc, il va faire. Il va gagner attaque plus 110% en plus. Coup critique garanti. Donc là, je suis full stack. Je suis full de chez full. Faudrait que je bloque l'aspect, en fait. Qu'est-ce que je fais?
que le bloqueur de spell est là. Non, faut que je le garde. Faut que je bloque constamment sa spé. Sinon, je vais prendre trop cher. Ah, désolé, Tralanxou. Hein. Désolé, désolé. Si se mange la spé là. Ah, j'avoue que c'est pas cool. Allez, un item. Guassou, il est bon, ouais, il bloque la spé. Et puis, il gagne encore. Quand il affronte un boss, enfin une catégorie qui rentre dans la catégorie de boss. Non, quand il affronte une unité extrême, il gagne ki plus 5, attaque plus 100%. Sinon, il donne ki plus 2 et 70% de def pour tout le monde. Ce qui est pas mal. Alors, c'est vrai qu'il faut. Enfin, j'hésite à paquer. Ouh, il a esquivé. Là, je crois que je vais donner un peu d'esquive. Il, a... il gagne pas d'esquive. Ah, je crois que. Si, si, a... ah oui, il a de grandes chances d'esquive. 1 300 000 avec tous les stacks. Sans doublon. Ok. Bon. La Mirai, Mirai, Mirai. On va essayer la jauge d'Okan rapidement. De toute façon, on aura pas, on pourra pas le tuer avant. Le combat va être un peu long parce qu'il a vraiment beaucoup de PV ce sel. MVP rentre dans le top 1 du classement. J'avoue qu'on aurait pu jouer avec avec Piccolo. Ça nous aurait permis de détecter l'aspect. Ah, Trunks il prend cher quand même. Ah, c'est dans l'eau par contre. De toute façon, je vais devoir item. Une princesse. Miregon devrait se transformer au tour prochain. Ah, putain, l'enfoiré. Bon. Oh là là là, Gowasu. Gowasu Zamasu. C'est marrant, quand il esquive, c'est Gowasu en fait. Pas de la case, c'est Gowasu en vrai. Zamasu, il intervient jusque au moment de l'attaque en fait. Waouh. Ah, s'il esquive pas, il prend cher. Hein. Donc 1 600 000 critiques. Normalement il a peu de stats, ouais, il aurait tanké. Double transformation des Mirai. C'est dommage qu'il a pas d'active skill. Triple transformation. Ah ouais. Ah moi c'est bon, il reste un trait. Oh. Ah, je suis sous item, c'est vrai ça. Pas d'attaque spéciale, s'il te plaît. Encore une. Ouf. Oh putain, j'ai pris cher. Oh là 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 là. Le décès est proche. Double spé normalement. Donc là, c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir gagné le lien maître-élève.
Faut qu'il se mange la spécie. Oh merde. Faut pas qu'il se mange la spécie, sinon je suis mort. Allez, pas d'attaque spé. Waouh, j'ai eu chaud là. Bon, lui, il va le crit. Il va le crit, c'est grand mort. Qu'est-ce que je fais? Ah les amis, qu'est-ce que je fais? Je tente la cascade? Ou est-ce que je crève? L'aspect était bloqué? Ah oui, je suis con! L'aspect était bloqué, j'avais pas fait attention. Est-ce que je cascade ou pas? Si je le tue pas, je suis mort. C'est hyper dangereux quand même. Il va se payer. Bon, les cascades. Ah, on ne vit qu'une fois. Oh! Oh! Oh là là! Oh! Oh, il m'a fait bugger là! Non, après je gagne attaque et def pendant un tour, mais. Mais il y a une bonne patate dans les gencives. Pour la France! Oh, j'ai pas tué! Ne faites pas cette cascade chez vous, les amis. Ça a été réalisé par un professionnel de la profession. Oh, j'ai gagné que ça comme PV. Ah oh, ouais. Ah, la lose. Ah. Avec tous les techs que j'ai. Oh, je vais avoir un petit souci. Allez, on va tuer Zomasu. Ça va être très très chaud. Si on survit, il nous reste 3 PV. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus l'item. J'ai plus la réduction des dégâts quand je suis full life. Ah mince, j'aurais dû le mettre en dernière position. C'est chaud là. Surtout pas de spé ici, de la part de Zamasu. Faut pas que Zamasu se paye en fait. S'il te plaît Zamasu. Ouf. Oh, j'ai pris Bagdad. J'ai pris Bagdad. Non mais putain, il mixe les deux là, ça va être chaud là. Ah, faut que je l'explose là. Sinon je suis mort. Je fais le Battle Road, ça a du turfu. Donc là Zamasu c'est pas un cyborg. C'est pas un sel non plus. Donc là évidemment on brille moins. Oh. Double crit.
Allez, Trunks. Ouf. Allez, mon Trunks. Allez, mon Trunks. Une deuxième. Ah, oh, c'est dommage. Je veux pas que Black part en spé, s'il te plaît. J'ai un petit peu chaud là quand même. Punaise. Est-ce que Zamasu va mourir? Si je bloque l'aspect de Black. Sinon j'ai plus d'items là. Voilà. Puis si je le tue pas, je suis mort. Allez, faut que Zamasu il canne là. Sinon on canne les gars. Allez mon petit Mirai, Mirai, mon Mirai, mon Mirai, allez. Oh mince. Il nous reste un PV. Faut qu'il crit lui là. Oh là là, faut qu'il crit sinon on est pas bien non. Prochain portail sur la globale. Non, il reste un trait. Critique. Oh non, t'es sérieux. Prochain portail sur la globale. Sans portée légendaire, peut-être Goku. Là, je suis pas bien là. Je ne suis pas bien. T'as faut que Zamasu il canne là. Bon, item de toute façon. Last item. Ouais, j'ai pas le choix, faut qu'il canne en fait. Ouf. Allez, faut qu'il canne là. Faut qu'il canne. Ah, il meurt là, il meurt. 1 800 000. Un petit critique. Ok. Bon, il reste après le vrai challenge, hein. Parce que là. Ça va être compliqué quand même. Je sais pas si j'ai le temps de stacker un petit peu là. Ouf, gosse. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Alors. On peut faire ça. On bloque l'aspect. Je peux pas me soigner là. Non. Je vais virer tout ce qui est rouge là. Donc là je suis plus sous item. Mais je gagne de la défense, je gagne 50%. Trunks il gagne combien? Ça gagne 50%. 50% sur sa spé, donc il gagne, il a 150 000. 150 000, allez c'est jouable. C'est jouable les amis, sa spé est bloqué là. Donnez-moi de la force les amis. Putain je suis désolé. Mais ça gratte. Mon truc là il devient moins intéressant quand il affronte pas du sel du cyborg. Ouais c'est bon c'est solide. Je ne crains rien, je ne crains rien. Oui tape moi dessus, je ne crains rien. Bim, bim, bim. Bon je claque la skill ou pas? Non.
J'avoue que ça va être très chaud là. Ça va être extrêmement chaud. Aïe. Oui. Allez, gagne un petit stack de défense là. Si vous pouvez faire double SP. Double SP. Non. Ça va être chaud là. Est-ce que Mirai va me sauver? Est-ce que mon Mirai va me sauver? Oh, double SP lui. Ça va être chaud. Oh, le crit qui est passé. Ah là, c'est... là je vais à solide. Oh, lui c'est crit. Il y a peut-être moyen. Ah non, le con. Oh. Ah oui, attends. C'est ensemble quand les PV sont sur un certain seuil. Ah oh, mince. Oh non. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je me transformais pas. Oh merde. Si je mange une SP, il y a peut-être moins que je canne. Il y a même très forte chance que je canne. Pas de SP. Pas de SP, il y a moins de tenir. Attends, mais c'est quoi là, mec? À quel moment je me transforme? Je crois que c'était lié au nombre de tours. Je crois que c'est lié au PV. Pas de SP, pas de SP. Ok, on bloque la SP. C'est quoi des conditions? C'est quoi les conditions? Ah, quand les SP sont 58% ou plus. Voilà les amis, j'ai un problème. J'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le nuke? Est-ce que ça se tente là? Parce que Trunks va nous mettre au fond en fait. Trunks va nous mettre au fond les gars. Juste le deuxième pour être full item. En fait, si je transforme deux fois le Trunks, il y a peut-être moyen que je transforme. Si je transforme l'équipe bleue là, ça peut être pas mal. Je vais perdre ma def, ouais, mais. Mais lui, il va mourir en fait, il va nous faire mourir. Punaise. Bon, allez, tu sais quoi? On refait l'épisode. Trunks contre Black. Enfin, contre Zamasu. On refait. Bon, on sait tous comment ça finit. Hein. Pour la France. Oh, il a changé les violets. Maintenant, imagine, je change les bleus. Parce qu'en fait, il change que. Il change pas les verts en fait. Pour la France. Pour vous les amis. Levez tous les mains. Tous. Pour le showcase. Change les bleus s'il te plaît. Bleu. From blue to tech. Blue tech. Ikizu Mina. Vous êtes mis sur le live. Oh le con. Bon ça passe. Combien de défense? Oh 60 000. Oh je vais canner les gars. Oh je vais canner avant. Ça se trouve je vais canner avant. 100 000.
Je vais Roberto Canet, les gars. Ouais, foutu pour foutu. Pour la France. Pour vous, les amis. Ça, c'est pour vous. C'est pour la France. Oh, oh, j'ai pas survivant. Attaque efficace. Critique, faut qu'il crit. Oh non, il reste un trait. Non. Ça se fait pas. Ah, j'ai mal. J'ai perdu contre le trait LR, les gars. Oh, ça se fait pas. Oh, oh, je suis dans le mal. Je suis dans le mal, les amis. Le fameux trait LR, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas mis à. Qu'il m'avait pas mis à. Tacle à la gorge. Ne réfractivez que le deuxième. Mais non, mais regardez, j'ai changé plein mal de qui. Bah, j'aurais crit, tu serais mort. Attends, j'ai pas crit, hein. Ah non, j'ai pas crit. Bon, de toute façon, on se rappelle de l'épisode, on sait comment ça s'est terminé. On l'a pas tué. C'est Zeno qui est venu, il a fait Eh oh. Tu fais un tuto. Quand tu fais un tuto item Wiss. Non, c'est simple, pas besoin de faire un tuto. Ça permet de réduire les dégâts de 45 au 40%, je crois, pendant 2 tours. Et il se forme durant l'event par Yobuma avec. Ah si, j'ai crit. Si j'écris, j'avais pas fait attention. Il aurait dit double SP ou double attaque. Juste une autre auto-attaque aurait suffi en fait. Bon, bah voilà les amis. Il manquait. En fait, on aurait changé les keys bleus, ça aurait été plus intéressant. Il a pas changé les keys bleus, il a changé une autre couleur. Il aurait changé les keys bleus, on aurait pu se mettre super bien. On aurait pu taper. Peut-être qu'il manquait deux keys, je crois. Deux ou trois keys, c'était bon. Hein. Bon, voilà, c'était un showcase de Mireille Gohan. Assez solide. Pas mal de dégâts, bonne réduction de dégâts aussi, une fois sous la barre des 58%. Alors, mais malheureusement, j'avais oublié ce petit détail, il se transforme que lorsque les PV sont supérieurs à 58%. J'ai oublié ce petit détail. Du coup, j'ai pas pu me transformer. Peut-être que ça m'aurait aidé qu'il se transforme. Mais bon. Avec des si, hein, comme d'habitude. Bon, voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez également à me follow sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne secondaire. Brice Gaming Live, le lien se trouve dans la description les amis. Sur ce, passez une très bonne journée et bonne chance pour vos invocations sur le portail de Mireille Gohan. Voilà, il mérite quelques cailloux. Pour ceux qui ont des cailloux, évidemment. Allez, sur ce, bonne journée. Ciao.